moitié homme, moitié pangolin, plus poilu de tous les requins. Jean Paul Dance est confiné chez lui. Bonjour, je m'appelle Jean Paul Dance. Aujourd'hui, je vais faire un nouveau tuto make-up. Je vais faire un tuto make-up animalier. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous maquiller en pangolin. Alors, le pangolin, voilà. Le pangolin, si vous savez pas ce que c'est, bah, je vais mettre une petite vidéo. Voilà, ça c'est un pangolin. Voilà. Bon, bah pour commencer, je vais vous présenter un peu le matériel que j'utilise. Bah en fait, j'ai laissé tout mon matériel de maquillage au cabaret Mademoiselle, dans les loges. J'ai pas le droit d'y retourner. Alors du coup, je vais utiliser un pinceau brosse. Voilà. Puis comme j'ai pas de maquillage, bah je vais utiliser de la gouache. Voilà, j'ai plusieurs couleurs. Voilà. Donc c'est de la marque Le Frambourgeois pour enfants. Voilà. Donc pour commencer, il faut faire le fond. Alors il faut du marron. C'est une jolie couleur. Alors le marron, alors il faut mélanger toutes les couleurs primaires. Alors, voilà, faut que je mélange. Voilà. Donc ça c'est quoi ça? Magenta. Magenta. Bleu primaire. Alors il n'y a plus beaucoup. Voilà. Et puis ça c'est jaune. Voilà. Là, je vais mélanger jusqu'à ce que ça devienne marron. Faut beaucoup de jaune. Voilà, je pense qu'on a un joli marron. Vous pouvez voir, c'est voilà, ça c'est je pense c'est pas mal. Donc je vais commencer par m'enduire le visage avec ce marron. Voilà. On commence par le nez. Alors faut pas avoir peur d'en mettre beaucoup parce que le pangolin il a une carapace pour se protéger des prédateurs comme les chinois par exemple. Du coup si tu mets beaucoup de peinture, bah après quand ça sèche, ça fait une carapace. Ah, je laisse l'espace autour des yeux parce que je veux faire un smoky après. Voilà, je vais retravailler un peu la couleur. Paul Denti vous apprend à faire du make-up.
Il fait des trucs avec ses pinceaux. Et des fois même qu'il s'en met un petit peu dans l'œil. Jean-Paul Denti fait des tuto-makers. Ça c'est pas mal. Après, faut faire les écailles. Alors là, je vais essayer de les faire en jaune, mais je sais pas si je vais y arriver. Alors, vous avez vu que j'ai laissé un espace sur le front. Vous allez voir après pourquoi. Jean-Paul Dance, oh, il vous apprend à se maquiller super bien. Jean-Paul Dance, oh, Jean-Paul Dance, oh, avec lui vous pourrez faire des super mechas. Oh, Jean-Paul Dance. Voilà. Bon, je pense que là, sur les écailles, on pourra pas faire mieux, hein. Voilà. Et après, là, on va passer au plus important. Ah non, attendez, je vais faire un truc avant. Voilà, on passe maintenant au plus important. Alors, je vais remettre mon téléphone un peu. Voilà. Pourquoi j'ai laissé le front? Bah, c'est parce que les pangolins, ils parlent pas, mais ils ont un message à nous faire passer. Alors, pour le message, j'utilise Marking 2000 de Bic, Permanent Marker. Voilà. Et alors, bah voilà. Là, faut, c'est assez clair, hein. Alors. Attendez. En fait, mon miroir, il est en miroir. Mon téléphone, il est en miroir. Alors, j'arrive pas trop à savoir si j'ai bien écrit. Bah, je crois que c'est bien. Voilà. Donc moi, j'ai écrit fuck les humains. Mais par exemple, tu pouvais écrire bien fait pour vos gueules. Ou voilà. C'est tout pour mon tuto make-up de pangolin. La prochaine fois, je vous apprendrai à vous maquiller un masque de protection devant le visage. Au revoir.